Avec la cessation du projet des espaces bleus par le gouvernement du Québec, l'avenir de la Villa Frédéric-James est désormais entre les mains du député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix. Jean-Louis Lebreux, ancien directeur du musée Le Chaffault, avait souligné la nécessité de transformer la villa en musée. En accord avec cette vision, Patrimoine de Gaspésie a envoyé une lettre au député pour apporter son appui à M. Lebreux et proposer également que le nouvel espace muséal de la villa prenne la forme d'un musée des beaux-arts. Pour éclaircir cette proposition et en savoir davantage, nous avons eu le plaisir de discuter avec Jean-Marie Fallu, président de Patrimoine Gaspésie. Alors, je suis en compagnie de Jean-Marie Fallu, président de Patrimoine Gaspésie. Bonjour. Bonjour. Donc, le gouvernement a mis fin à son programme Les Espaces Bleus. Donc, l'avenir du musée, pas du musée, mais de la Villa Frédéric-James. On ne sait pas qu'est-ce qui va devenir avec ça, mais le député de Gaspé a hérité du dossier. Donc, vous avez écrit une lettre au député. Parlez-moi un peu de pourquoi cette lettre-là. Ben, l'abandon du projet d'espace bleu avec la Villa James peut être vu comme une mauvaise nouvelle, mais pour nous, c'est une bonne nouvelle dans le sens que ce projet-là avait bien été amorcé sur un volet. Le gouvernement actuel voulait restaurer dans chacune des régions du Québec un immeuble patrimonial d'importance. Alors, le choix pour la Gaspésie de la Villa James était très, très approprié. Et nous avons toujours salué ce geste en termes de prévention. Par ailleurs, ce qui posait problème, puis qui mettait de l'aile un peu qui mettait du plomb dans l'aile du projet, c'est que en voulant faire un musée qui aurait été géré par le Musée de la civilisation à Québec, et déjà on avait décidé du contenu, on voulait parler de personnages importants au Québec. Maurice Richard, Céline Dion, etc. Honoré. Dans le fond, le gouvernement voulait mousser la fierté d'appartenance des Québécois, autrement dit l'identité québécoise. Et ben, ça venait jouer sur les plates-bandes de ce qui existait déjà. Le musée de la Gaspésie, en 2021, venait d'inaugurer une exposition à la Confluence des mondes, une exposition qui s'est méritée un prix de l'Association des musées canadiens. Donc, ça tombait très mal parce que ça venait jouer sur la bande du musée régional qui fait déjà ce travail-là d'identité gaspésienne. Et à l'époque, on avait intervenu, Patrimoine Gaspésie puis d'autres, là, en leur disant, ben, d'abord, consulter le milieu, puis aussi faites, jouez pas sur les plates-bandes de d'autres, autrement dit, mettez en valeur, déjà en 2021, j'écrivais une lettre à l'époque à la ministre de la Culture en lui disant, ben, écoutez, mettez en valeur ce qui n'est pas beaucoup mis en valeur à date et qui mérite de l'être davantage, soit le patrimoine artistique de Percé, parce que Percé a connu une histoire vraiment très riche au niveau des artistes et des écrivains. Mais ils ont quand même cheminé avec un comité consultatif, mais on ne savait jamais qu'est-ce qui se décidait parce que c'était sous le signe de la confidentialité. Et jusqu'à tout récemment, le projet n'avait pas l'approbation sociale. Et puis aujourd'hui, c'était à contre-courant. En 2024, là, on ne vient pas dire aux Gaspésiens qu'est-ce qu'ils ont à faire. On les consulte et puis après ça, on prend des décisions à leur faveur. C'est pour ça qu'actuellement, c'est une bonne nouvelle de savoir que c'est le député de Gaspé à qui on a confié le mandat. M. Sainte-Croix a fait des études en histoire. Il a été conservateur au musée de la Gaspésie. Il connaît très bien le domaine. Et puis, j'aime bien son approche. Alors, lui, il consulte les gens, là. Il va avoir une rencontre le vendredi 5 avril. Et puis, ceux qui veulent s'exprimer sur le sujet pourront le faire. Mais nous, on a voulu tout de suite, en appui à une position qu'avait prise le muséologue Jean-Louis Lebreux, qui a pris sa retraite l'an passé,
et qui rappelait à juste titre que il fallait que le gouvernement respecte son projet d'origine, qui était un projet muséal. Donc, parce qu'actuellement, on disait, ben, on laisse au milieu décider qu'est-ce qu'ils feront avec le bâtiment. Mais nous, on dit, non, il faut, pour ce qui est du sous-sol, qui est aménagé aux normes rigoureuses de la muséologie, c'est grand temps que ça soit vraiment consacré au patrimoine artistique et littéraire de la Gaspésie. Alors, c'est le projet qu'on lui soumet en disant que Percé devrait avoir son musée. Ça fait longtemps que des gens ont tenté de mettre en place un musée à Percé. Oui, ben justement, c'est pendant que Jean-Louis Lebreu était directeur pendant les 40 années, il a fait plusieurs représentations, on pourrait dire, là, pour faire reconnaître le musée de Percé, là, puis aussi quand c'était le temps de justement de quand le projet d'Espace Bleu Oui. est arrivé, ben, il en a parlé aussi là, de son intérêt que le musée se retrouve à cet endroit-là. Oui, tout à fait. Par ailleurs, la difficulté que posait le musée Le Chaffaut, c'est que c'était un musée saisonnier. Donc, le ministère de la Culture ne subventionne pas les musées saisonniers. Autrement dit, ils veulent plus soutenir les musées ouverts à l'année. Mais ça n'enlevait rien à la qualité du travail que M. Lebreu a fait pendant ses 40 ans. Et en même temps, il était dans la lignée, M. Lebreu, de projets de musée. En 1934, lors du quatrième centenaire du passage de Jean Cartier, le juge Pouliot, qui était le père de Camille Pouliot, qui sera député ministre dans les années 30, 40, 50 même. Alors, le juge Pouliot, lui, qui avait publié un ouvrage sur la grande aventure de Jean Cartier, déjà, il avait son projet de créer un musée régional à Percé en 1934. Il avait approché des notables et puis son projet cheminait, puis pour une raison qu'on ignore, ça n'a jamais abouti. Plus tard, en 1944 et jusque dans les années 50, Madame Eugénie Ranger, qui était une percéenne d'adoption, avait une collection de pierres semi-précieuses très importante. Et puis, ben, elle avait ouvert un petit musée dans sa maison, puis les gens venaient voir ça. Puis cette collection-là, présentement, elle l'a cédée au musée de la Gaspésie dans les années 60. À l'époque, c'était la Société historique de la Gaspésie, mais c'est devenu le musée de la Gaspésie. Et puis, ben, il y a eu aussi le travail énorme qu'a fait Suzanne Guittet, Alberto Tomy, avec la mise en place du Centre d'art de Percé de 1956 jusqu'à 1981, 80, ben, au décès de Madame Guittet. Et vraiment, le travail que Madame Guittet a fait là, avec le Centre d'art, c'est admirable, là. Dans les années 60, là, tous les grands artistes du Québec en termes de les arts de la scène, le théâtre, la chanson, le mime, cours de céramique. Elle voulait, elle, donner aux Gaspésiens la possibilité de découvrir la création artistique. Il y avait des ateliers de toutes sortes qui se donnaient en dessin, en peinture, en céramique. Et puis aussi rendre accessible aux Gaspésiens ce qu'on voyait à la télévision du théâtre classique. Alors, il y a des grandes pièces de théâtre qui ont été jouées au Centre d'art. Et puis, il y a eu aussi plein de chansonniers, Georges Dor, Robert Charlebois, puis Gilles Vigneault, qui à leur début là, sont venus à Percé, puis ils n'étaient pas connus, là, mais ils venaient à chaque été. Percé était devenu, avec le Centre d'art, un carrefour des arts en Gaspésie. On partait de Montréal sur le pouce, là, puis on descendait à Percé, c'était la mode. Et puis, après le Centre d'art et après le décès de Suzanne Guittet, ben, il y a Jean-Louis Lebreu qui, lui, a parti le musée Le Chaffaut, qui est un musée d'art, et qui a fait un travail admirable pendant 40 ans, de 1983 à l'an passé, 2023. C'est pourquoi on voit quand je vous dis tout ça, là, c'est qu'il y a une tradition
à percer, de valoriser les arts. Et puis, cette tradition-là, elle mérite d'être connue par un musée. Ça fait longtemps, après le décès de Suzanne Guittet, Clément Richard, qui était ministre de la Culture, était venu à Percé. Et à l'époque, moi, j'étais directeur du musée de la Gaspésie. On avait rencontré les autorités de Percé pour voir dans quelle mesure l'œuvre sculptée de Suzanne Guittet et son œuvre picturale, ainsi que celle d'Alberto Tomei, pourraient être mises en valeur dans un musée à Percé. Mais M. Richard s'est cogné un moratoire qu'il y avait à l'époque sur la création d'un nouveau musée. On ne pouvait plus créer de nouveau musée. Alors, il avait tenté d'ouvrir une porte en disant, bon, ben, la façon de contourner ça, ce serait peut-être de confier le mandat au musée régional de la Gaspésie de mettre en place là, un musée satellite, là. Mais à l'époque, ça avait mal été perçu par les gens de Percé, là. On disait, ben oui, mais là, nous, on veut notre propre musée, on ne veut pas être un valet du musée de la Gaspésie. Alors, ce dossier-là n'a pas abouti parce que peu de temps après, ben, Clément Richard a été nommé président de l'Assemblée nationale, puis ça n'a pas donné de suite. Mais heureusement que Jean-Louis Lebreux, par son travail, a pu permettre de faire rayonner les arts à Percé jusqu'à l'été dernier. Maintenant, c'est un contexte actuellement, M. Sainte-Croix hérite d'un, je trouve, moi, d'un beau contexte. Ça fait convergence, le fait que Percé mériterait d'avoir son musée. Et la salle au sous-sol de la Villa James est vraiment bien aménagée aux normes muséologiques d'aujourd'hui. Alors, il suffirait tout simplement d'avoir une entente avec le musée de la Gaspésie qui serait. Puis le musée de la Gaspésie a une mission aussi d'intervenir davantage sur le territoire. Alors, il serait très heureux, j'en suis convaincu, de pouvoir collaborer à un tel projet pour mettre en valeur la collection Guittet et Tomei, qui actuellement est détenue dans les voûtes du musée de la Gaspésie. Et puis, ben, ce serait vraiment une façon d'animer à l'année Percé avec cette vocation muséale en bas. Et puis en haut, ben là, ça peut être ouvert à de la médiation culturelle, il pourrait y avoir des résidences d'artistes. Et puis, le fait aussi que ce musée-là serait ouvert à l'année, à la Villa James, moi je l'appelle le musée des beaux-arts de Percé, mais ça mettra en valeur le patrimoine artistique, mais aussi littéraire de la Gaspésie. Donc, ce musée-là aura une mission régionale dans un secteur qui est pas abordé par d'autres institutions ou sites historiques. La plupart des sites historiques, il y en a un grand nombre, ça porte sur la pêche. Et puis, il y a le musée de la Gaspésie qui englobe tous les secteurs, mais il n'y a pas une institution qui est vouée entièrement à la mise en valeur du patrimoine artistique en Gaspésie. Et puis donc, ça enlève à rien à personne. Et puis justement, ça permettrait de compléter un peu les infrastructures muséales en Gaspésie, puis aussi en assurant que ce musée-là puisse être accessible à l'année. Alors, il y a toutes les normes pour que ça soit ouvert à l'année. Et puis, de ce fait, ça pourrait être aussi un musée qui pourrait être reconnu par le ministère de la Culture, parce que avec sa mission régionale, puis avec le fait qu'il est ouvert au public, puis il y aurait du personnel compétent pour faire des activités d'animation, pour y amener les écoles, etc. Et aussi, ça pourrait se faire en complémentarité avec le musée Chaffaut, parce que actuellement, le musée Chaffaut est en réflexion sur son avenir. Et puis, ça serait une belle avenue de faire du musée Chaffaut une vitrine au musée, à l'espace muséal de la Villa James. Et puis, j'en suis convaincu que la CEPAC qui collaborait, la ville de Percé, la corporation du musée Chaffaut. Alors, voyez-vous, on dirait qu'actuellement, le fait que ça a chopé les espaces bleus, c'est devenu une bonne nouvelle. Et puis, les Gaspésiens aiment se prendre en main. Ils aiment aussi que. C'est pour ça que je salue le geste de M. Sainte-Croix de tenir des consultations. Alors, nous, on a cette opinion. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ne seront pas favorables, là, mais au moins, on pourra échanger. Et puis, lui, ben,
il aura en main toute la matière pour prendre une décision sage et conforme aux intérêts des Gaspésiens. Avec le rappel que vous avez fait là, sur toute l'évolution depuis 1934 à aujourd'hui, ça, dans le fond, ça viendrait suivre la mission que s'était donnée Percé à travers toutes ces années-là. Oui, tout à fait. Et puis aussi, ce musée-là, à Percé, pourrait emprunter des œuvres. Il y a plein d'œuvres qui sont dans des musées au Québec, au Canada, aux États-Unis, qui sont des œuvres qui ont été créées à Percé. Marc-Aurèle Fortin a peint Percé. Alfred Pellan a fait des choses à Percé. Il y a des écrivains aussi, Paul Strand, pas Paul Strand, en 1900, Arcade 17, là, Arcade 17, André Breton, excusez-moi, en 1944, a créé, a percé son ouvrage mythique sur le surréalisme. Robert Choquette également, c'est à Percé qui a écrit Suite Marine, qui a connu un succès, lui a mérité un prix. Il y a plein de gens, Marie Lefranc, qui a publié sur Percé. Il y a plein, plein, plein d'écrivains et d'artistes, là. Le musée à Percé aurait l'embarras du choix tant qu'au contenu qui est très, très, très riche. Vous parlez, bon, peinture, littérature. Est-ce que c'est pour ça que vous parlez dans votre lettre d'un musée des beaux-arts? Est-ce que de dire beaux-arts, ça vient englober plus que juste la peinture? Ouais, ben ça permet de pas exclure. Voyez-vous, quand on développe un concept, on fait une recherche, et moi actuellement, je soumets cette idée-là, mais je l'ai pas approfondie. Alors, faudra voir. Je sais que les arts visuels, c'est vraiment la base, la littérature également, mais il y aurait peut-être d'autres formes d'art qui pourraient être complémentaires. Et puis aussi qui pourrait faire l'objet d'expositions temporaires au musée Chaffaut l'été. Il y a tout un concept à développer autour du patrimoine artistique et littéraire de la Gaspésie. Et il faudrait aussi que ça soit gaspésien, particulièrement percé, mais gaspésien parce que ces écrivains, ces artistes, ils venaient en Gaspésie, mais il venait pas seulement peindre à Percé, il peignait partout. Il y avait des paysages vraiment inspirants. Mais ça culminait toujours à Percé. Donc, ça serait une façon de mettre en valeur la Gaspésie puis la Percésie, qui ont été deux pays vraiment inspirants pour les artistes dès le 19e siècle. Même, voyez-vous, avant qu'il y ait le train ici, en 1910, 11, avant qu'il y ait le parachèvement de la ceinture routière en 1929, il y a plein de journalistes, d'écrivains, d'artistes qui venaient en voilier, qui venaient en vapeur, ils venaient en croisière dans le golfe, puis c'est sûr que ça arrêtait toujours à Percé. Alors cette matière-là est très, très riche. Quelles pourraient être les suites à tout ça? Ben, les suites qui pourraient être données à ces consultations, ben, c'est de deux ordres. Il faudrait vraiment engager une firme compétente dans le domaine là, pour faire un concept, puis développer une programmation. Puis aussi, l'autre élément, ben, mettre en place un plan d'affaires. Comment la Villa James va être gérée? Elle va être gérée par qui? Elle va être gérée comment? Qui seront les principaux partenaires? Parce que avec les espaces bleus, ben, c'est le musée de la civilisation. Maintenant, ici, est-ce que ce serait une corporation? Alors, c'est tout ça qui serait défini par une étude, un plan d'affaires. Parce qu'il faut pas que ça soit, il faut que ça soit articulé. Donc, il faut que ça soit fait par des professionnels. Un peu comme les gens du musée de la civilisation, c'était des professionnels, sauf qu'on les avait un peu parachutés dans ce projet-là. Mais il y a des firmes en muséologie au Québec
qui sont très aptes à faire le suivi, puis de soumettre aux députés un projet concluant au niveau tant de la programmation que du plan d'affaires, plan de financement. Parce que c'est pas une rencontre de consultation qui va régler ça, là. C'est vraiment suite à ça, il faut que le député prenne une décision, aille chercher des sous pour mener le projet de façon adéquate et de façon professionnelle. Quelque chose qu'on pourrait ajouter? Non, ben, je trouve que M. Sainte-Croix est très bien placé pour mener à terme un très beau projet. Ce sera un bel héritage qu'il pourrait laisser au comté et à Percé. Jean-Marie Falloux, président de Patrimoine Gaspésie, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous êtes à la recherche d'un véhicule neuf? Vous recherchez la fiabilité au meilleur prix? Chez Automobile Mauger, c'est notre équipe qui fait la différence. Pour l'entretien de votre véhicule, le service aux pièces, le financement, des conseils avisés pour l'acquisition de votre véhicule, faites confiance à l'équipe Mauger Ford de Grande-Rivière. Venez rencontrer notre équipe d'expérience qui saura répondre à vos besoins et surtout vous offrir le meilleur service en Gaspésie. Pour une expérience ultime sur la route, Mauger Ford de Grande-Rivière est là pour vous.